Mais elle pique, c'est bien ici, à quel étage? Deuxième à gauche, merci madame, mais que dites-vous? Il n'y a personne, elle est sortie, comme c'est dommage. Remettez-lui ses fleurs avec ce billet doux. Il est parti, le garçon livreur, sur son tricycle. Il est parti, mais le bouquet est toujours là. Et ma concierge sent de ses yeux des larmes qui giclent. Des orchidées, le malheureux, il ne savait pas. Pas d'orchidées pour ma concierge, elle a le rhume des foins. Pas d'orchidées pour ma concierge, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle éternue sur son passé. Achoum, il était grand, il était beau, son cher fleuriste. Il sentait bon l'asparagus et le bégonia. Pour empoter, c'était un véritable artiste. Et ma concierge n'avait qu'une fleur, elle lui donna. Il lui prit tous ses sous, ses bijoux, des tas de choses. Et puis un jour, prétextant qu'il manquait de peau, il est parti la laissant tomber sur les roses, en oubliant une orchidée dans un verre d'eau. Pas d'orchidée pour ma concierge, elle a le rhume des foins. Pas d'orchidée pour ma concierge, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle éternue sur son passé. Pas d'orchidée pour ma concierge, s'il vous plaît. Du muguet, si vous voulez, ou des rhododendrons, des coucous, des fleurs de courgettes sauvages. Mais par pitié, pas d'orchidée. Non, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle éternue sur son passé.